Salut tout le monde, votre serviteur Light et Débris, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Je vous retrouve de nouveau sur un jeu en compagnie de mon cher Charpé. Et ce jeu n'est autre en réalité que, attention, The House. Mais il se trouve en réalité que c'est le premier The House qui est sorti en 2005, si je me trompe pas. Donc de nouveau un petit point and click. Hein. Quoi, tu veux un petit bisou? Un petit bisou sur le nez? Ouais, un petit bisou sur le nez. Hein. Voilà. Et donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Alors, je ne sais pas si c'est exactement dans la même maison que ça se passe. Ils disent une maison qui a été construite dans les années 70. Or, dans The House 2, je me souviens que ça se passait dans les années 60. Donc ce n'est peut-être pas le même endroit. Peu importe, on va très bien voir ce que ça va donner. Alors on va rester concentré. Vous êtes maintenant à l'intérieur de la maison. Oui, logique. Alors, The Dining Room. Alors je mets la luminosité à maximum, c'est bon. Ah, la superbe famille, que c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Ah! Ok, ça commence bien déjà. Ah, ok. J'ai le cœur qui bat vite. Est-ce que c'est normal? Ah. Le petit esprit qui est apparu. Oh! Ok. Ok, tout va bien. Oh! Alors cette fois on dirait que c'est un petit garçon. Je sais pas, mais là... Oula! Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, ça s'annonce mal. Hein. Et encore, t'as de la chance, t'as pas les écouteurs dans les oreilles, toi. Hein. Ah par contre, je m'attendais pas à ce que les temps de chargement soient longs. On sent que c'était déjà il y a 5 ans le jeu, hein, 2005. J'étais en terminale à ce moment-là. Ah, c'était la bonne époque. Les enfants, profitez de votre collège et de votre lycée, croyez-moi. Bon, je dis pas que les années d'études après c'est le caca, mais disons que voilà, là vous travaillez plus déjà pour votre avenir. Donc vous profitez de votre vie d'étudiante, mais en même temps, il faut bosser à côté. Alors que le collège, lycée, c'est pas encore dramatique. Ah, la bathroom! Joyeux anniversaire, maman! Nous savons tous que tu souffres donc d'une maladie. Mais nous sommes sûrs que tu iras mieux sous peu. On t'aime. C'est gentil. Ça, c'est quoi ça? Ah, du poison! Oui! Très cool! Toujours tirer la chasse de vie. I love you too. Je t'aime trop. J'arrive pas à lire ce qu'il y a. Je ne te quitterai pas, je te promets. Je te promets. Ok. Ah. Ah. Thank you.
mademoiselle, excusez-moi, je peux vous déranger. Oh! Ok! Ok! Alors, les images de celui-ci sont beaucoup plus noires, beaucoup plus restreintes que sur The House 2. Mais j'ai l'impression que celui-là est mis plus sur les éléments de surprise. Et surtout j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus rapide que The House 2. The House 2, il fallait cliquer plusieurs fois sur les éléments, etc. pour activer des choses. Bah là, ça va beaucoup plus vite. Hein. Nous allons aller dans la cuisine. Là où il y a les couteaux de cuisine, bien sûr. Tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un bon petit repas. T'as faim, toi ? Ah, t'as faim. Moi, c'est bon. Moi, j'ai mangé du taboulé. Tout va bien. Avec une bonne bouteille de Vittel. Buvez de l'eau, les enfants. C'est bon pour la santé. Enfin, je dis ça. Hier soir, j'ai pas arrêté de boire du Schweppes citron. Alors. C'est quoi ce bruit ? Traitement contre le cancer, un vendredi 5 mars. D'accord. Marrant, petite poupée. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments sur lesquels... Je sais pas ce que c'est. Attendez, c'est la cuisine, ça ? C'est quoi, cette cuisine ? Coucou toi. Alors voilà, vous voyez, dans la réalité, si ça m'arrivait ce genre de truc là, je vous raconte pas l'état dans lequel je me trouverais. Ok. Ah bah voilà. Alors qu'est-ce que nous avons là? École Saint-Martin Scout. Non. Ah, c'est une fille, ok. J'ai cru au début que c'était un mec. Maria Julie. Ok. Elle a été inscrite en 1980, d'accord, et désinscrite en 1983. Ok. Il faudrait que je revérifie. Ouais, c'est bien ça. Ok. Il n'y a que des suicides. Pourquoi mettre fin à vos jours, les enfants ? Il faut vivre. Pour le bien de tous. Pour le bien de l'humanité. Vivre. Gambader. Rire. Sourire. Chanter. Vous voulez que je vous chante une petite chanson ? Allez. On va chanter une petite chanson. Qu'est-ce que je peux chanter ? Je vais tout casser si vous touchez au fils de mes entrailles. Fallait pas qu'elle s'en aille. Wow. Voilà. On va éviter de chanter trop longtemps parce que sinon ça va faire une espèce de plagiat et j'ai pas envie d'avoir de soucis de droit d'auteur, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc à la place, on va aller dans le living room, donc dans le salon. Très bien. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Si ça se trouve, on va enfin rencontrer quelqu'un de normal. Il serait temps. Ah, c'est dommage qu'il y ait ces petits temps de chargement quand même. Hein. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir un petit peu ce que vous avez pensé à l'heure de The House 2. Est-ce que vous avez peur ? C'est ça le living room ? Monsieur ? Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Oh, la radio ! Ça casse les oreilles.
regardes sur la droite. Ah, ce thème musical. Oh, what is that? Désolé et adieu chérie. Je suis heureux d'être... Ah, j'ai toujours... Je suis tellement chanceuse donc d'être ta femme. Je t'aimerai pour toujours. Ok. Ok. Ah, ouais. Ça peut te faire plaisir, mais bon. Pourquoi le revolver ? D'accord. Monsieur, vous saignez des yeux et du nez. Hein. À mon avis, vous aussi, vous avez vos règles, mais version masculine. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Et là, on va dans le corridor. Ah, le couloir. Si vous voulez savoir, le couloir, c'est un endroit, quand on dit petit, qu'on n'aime pas trop arpenter. Surtout la nuit, quand on se lève pour aller aux toilettes. Hein. Après, il faut repasser par ce couloir qui est sombre. On a toujours peur qu'il y ait quelqu'un. Un des exemples même, c'est dans Shining, avec les deux jumelles qui sont au bout du couloir. Ça a de quoi quand même surprendre, ce truc-là. Et pour vous dire la vérité, je n'aimais pas trop me balader dans les couloirs quand j'étais petit. Mais ce qui me faisait le plus peur, c'était le soir, de monter dans le noir les escaliers. Je me disais toujours, il y a quelqu'un qui va être derrière moi, qui va me poursuivre. Et à force de me convaincre de ça, je finissais par monter les escaliers 4 à 4. Voilà, pour vous dire mes petits traumatismes d'enfance. Mais bon, ça reste gentil. Oh, le couloir, chouette. On va allumer un petit peu la lumière là. Ah, c'est quand même mieux. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, je demande pardon à Dieu pour ce que j'ai fait. J'aime ma famille. Et donc j'ai tué toute ma famille. Ok, c'est la seule chose que je pouvais faire pour rester avec eux pour toujours. Tuer ta famille. Si tu veux, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc sur lequel on peut cliquer? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Oh! J'ai vu quelque chose là. Non, c'est pas bon. Pas le noir, s'il vous plaît. Pas le noir. Pas le noir. Bon, après, c'est quand même toujours la même chose. Ah! Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Ah ben voilà. Mademoiselle! Ah! Ok. S'arrête là. Ok. Bon bah les enfants, j'espère que c'est une vidéo que vous avez appréciée. Elle s'est terminée un petit peu de la même façon que The House 2, mais c'est pas grave, ça fait son effet quand même ce genre de jeu, hein. C'est glauque. Hein. Est-ce que t'as un petit mot à dire pour la fin? Oui. Ah, tu veux leur faire un petit coucou? Voilà, vas-y, fais-leur un petit coucou. Voilà. Quand tu veux encore un petit bisou? Allez. Un petit bisou encore. Hein. Et puis je vous dis à très bientôt les enfants pour un prochain épisode de Mon Côté Sombre sur je ne sais pas encore quoi. Donc d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!